Winnie l'ourson et ses amis. La revanche de Petit Gourou. Un après-midi, Tigrou propose à Petit Gourou. « Jouons à cache-cache. Tu me trouves toujours et je ne gagne jamais, se plaint Petit Gourou. « S'il te plaît, insiste Tigrou. « Bon, d'accord, fait Petit Gourou. Je joue encore une fois, mais c'est toi qui comptes. » Pendant que Tigrou compte jusque 100, Petit Gourou cherche une cachette. Lorsque Tigrou arrive à 88, Petit Gourou trouve l'endroit parfait pour se cacher, un arbre creux. Vite, il s'installe à l'intérieur. Tigrou cherche Petit Gourou, encore et encore. Il le cherche jusqu'à l'heure du goûter. « C'est bon, Petit Gourou, crie-t-il, tu peux sortir de ta cachette. Je ne te trouve pas. » Mais Petit Gourou ne se montre pas. Peu après, Tigrou demande à tous les habitants de la forêt des rêves bleus de l'aider à chercher Petit Gourou. Winnie cherche dans ses placards tandis que Porcinet regarde sous le lit. Tigrou et Coco Lapin cherchent partout sans succès. Ils finissent par demander à Jean-Christophe de les aider. C'est finalement Jean-Christophe qui découvre Petit Gourou dans l'arbre creux où il s'est endormi. Petit Gourou ne peut s'empêcher de bâiller. « Tu vois bien, Tigrou, dit-il. Tu m'as pas trouvé. Tu gagnes toujours. » « Pas cette fois, répond Tigrou en riant. Cette fois-ci, c'est toi qui as gagné. »